Et yo les potes, c'est la co. J'espère que vous allez bien. Moi c'est le cas aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile parce que c'est les 14 jours de connexion et il s'en est passé des choses sur mon compte. Hein. Pour cette occasion, je vais vous montrer ma progression en 14 jours sur Black Clover. Je vais aussi faire ma routine quotidienne comme ça on va voir si j'ai de la chance. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. La Team Black Clover Mobile, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus et puis c'est parti. Bon, pour commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire la piti quotidienne pour voir quelle équipe on va avoir, je vais commencer par faire l'étage 13 de ce niveau, l'étage 12 plutôt de ce niveau, comme ça, avec l'équipement UR, j'ai des chances d'avoir du PV amélioré. J'y vais avec cette équipe pour essayer d'avoir du PV amélioré, donc le PV étoilé. J'ai pris mon équipe de trois personnages et un match de soutien qui jouait Mimo. Donne-moi au moins un UR PV étoilé, on va voir. Attention, trois équipements, du SR et un UR, mais bon, pas du PV étoilé. Maintenant que j'ai utilisé trois tickets dans le donjon technique, je vais utiliser les deux derniers tickets dans l'étage 15 du donjon de puissance. D'ailleurs, depuis quelques jours, j'ai Enlever Vengeance pour mettre le Yami bleu pour que ça aille plus vite et honnêtement j'ai gagné pas mal de temps. Mais on s'en fout du temps, ce qui compte c'est les équipements et j'ai qu'une seule pièce alors que j'avais la nourriture 30%. C'est du PV plus de l'attaque magique en pourcentage, pourquoi pas Elle a mérité son plus +4. On va lui mettre ce qu'elle mérite, attaque magique en pourcentage, c'est directement plus +4 juste par curiosité. Est-ce que la pièce sera bien ou est-ce qu'au contraire, elle va être un peu moins bien On regarde un petit peu, de la def en pourcentage, vraiment bien. Ensuite, je regarde vite fait mon classement, je suis encore dans le top 100, il reste 18 heures du coup, c'est la dernière journée. Au moment où j'enregistre la vidéo, on est le matin, je suppose que je vais perdre les 13 places. On verra si ce soir, quand je serai en direct sur Twitch, je vais essayer de rester au top 100, mais bon, je pense pas. Essayez de me porter chance, maintenant on va faire les défis limités. On va essayer de commencer par les golds, parce que j'ai besoin de beaucoup de gold Je vais faire les récompenses de première fois, mais en commençant par la fin. On récupère les urus et la récompense de première fois. Maintenant, pareil pour le défi limité des potions. On regarde les récompenses. Je crois qu'on n'a pas eu de LR, c'est dommage. Et direction les pierres d'équipement pour essayer d'avoir des pierres rouges et des pierres bleues. Oh, pas mal le drop! Vraiment pas mal, hein. quelques pierres rouges Waouh, 12 pierres rouges, 12 pierres Non, là c'est vraiment une dinguerie Maintenant c'est l'heure au golem rouge de prendre tarif Je vais faire les tâches 5 pour commencer Je vous expliquerai pourquoi, là je vais pas faire les tâches 6 un petit peu plus tard Là j'ai fait le premier tour, le malus vitesse est passé pendant 2 tours Donc ça va le faire Je vais commencer par la petite mono-cible Comme ça il va prendre pas mal de dégâts L'aspect de Ria en mono-cible pour lui mettre tarif Allez s'il te plaît Bon, au moins on est en train de se buff tranquillement et ensuite je vais taper, taper jusqu'à ce que ça passe. Hein. Normalement, avec cette équipe, c'est régu. Ça passe vraiment à 100%, vu que j'ai pas de personnage bouclier, j'ai Lotus contre lui. Du coup c'est impossible de perdre, par contre la phase 2 ça va être plus compliqué. La phase 2 il va mettre vraiment beaucoup de dégâts, là j'ai pas le choix, c'est le premier tour, il m'a mis des dégâts, du coup je dois faire fortification sur mon équipe pour essayer qu'elle résiste au prochain coup. Ensuite je dois réduire sa défense maintenant vu que normalement ça dure assez longtemps pour que le Asta puisse mettre sa spé quand il est en épuisement le golem. Là je suis pas obligé de mettre la spé maintenant parce que sinon je vais me prendre les deux ticks de brûlure et du coup il va pas réussir à survivre, mais par contre j'aurai pas les doubles spé. Mais sinon je serais Minkao. Donc je vais heal avec Mimo. Ce soir il est un peu plus amélioré que ma compétence ultime. Du coup je commence par celui-là. Voilà. Ensuite je vais rebuff mon Asta à son attaque. Et normalement je vais jouer avant qu'il perd l'épuisement. Malheureusement il a plus 80% de CPV. Mais j'ai pas le choix. Il hein. faut quand même que je mette l'aspect de Asta saison 1. Je lui ai mis on va dire un bon 70%. Est-ce qu'il peut rester en vie Au pire j'ai l'aspect de Mimo. Je vais la mettre tout de suite. Hop comme ça, je vais regagner de la vie. Ça va me permettre de tanker. Mais normalement, ça va passer. Hein. Normalement, j'arrive à réguler la phase 2 de l'étage 5. Il a plus son malus épuisement. Mais bon, je peux continuer à mettre des dégâts. Le Asta, vraiment, le Asta saison 1, il n'est pas là pour blaguer. Hein. Il n'est pas là pour blaguer. Le boss, il ne reste plus que un PV. Mais ça va le faire. Charlotte qui n'a pas réussi à tanker. Attention à l'aspect. Combien de dégâts il va m'infliger Waouh <laughs> Mais bon, au moins c'est passé du premier coup sur la phase 2, donc je vais récupérer les points. 37 points aujourd'hui, pas mal. Sachant que le maximum c'est 39, honnêtement ça va. Hier j'ai oublié de vous parler du combat rapide, mais une fois que vous avez validé le premier try, vous pouvez faire combat de rapide, vous faites ne pas montrer aujourd'hui et vous n'êtes pas obligé de refaire la run. Donc ça c'est plutôt pas mal, je garde une run au cas où j'arrive à passer l'étage 6 ce soir en direct. Petite game PvP du jour, j'ai trouvé ma proie, il a pas roll pour Mars, hein. il a pas roll pour Mars, du coup il va prendre tarif, je vais buff mon Insta, et là regardez petite spé sur sa Mimo, direction Namek normalement, ok. Bon, elle est quand même bien stuff, elle a réussi à tanker, mais au moi j'ai mon deuxième tour, je vais pouvoir la terminer. Étant donné que mon lotus n'avait pas joué, il s'est pas pris le malus de son lotus, donc là je vais faire l'aspect combiné pour être sûr et certain de pouvoir le mettre. Et puis voilà, hein, là il peut rien faire, hein, je vais taper son Asta, il n'y a plus de Asta, et là je vais mettre en automatique et le bot va gagner. Direction, la boutique PVP pour acheter tout ce qui est quotidien, les pierres jaunes il en faut vraiment énormément, du coup je vais l'acheter. Et vous savez quoi, je vais même acheter 4 coffres parce que dans tous les cas j'ai trop de pièces. Plus tard, vous, vous allez pouvoir acheter directement les équipements LR. Mais là, je me suis dit, un petit pack opening de coffre PVP. On va voir ce que ça donne. Attention, j'appuie dans 3, 2, 1. Allez, donne-moi un truc. Bon, j'ai eu qu'un UR. En plus, c'est de la défense. Comme de par hasard, c'est vraiment la stat que j'ai le plus. Là, c'est la single gratuite. Pour le moment, j'ai jamais eu de SSR sur la version globale. Je pense que ça arrivera un jour et j'espère vous le partager à ce moment-là. Il me reste plus que les dés pour faire quotidiennement, pour essayer d'avoir de l'endurance. Et non, mais il me troll le jeu. Il veut pas que je fasse un tour. Sinon, voilà ma box en 14 jours sur Black Lover Mobile. Franchement, je suis plutôt content. J'ai eu pas mal de chance en termes de SSR. J'ai eu ce que je voulais. J'ai pas eu ce que je voulais pas, à part Jack, comme d'habitude, qui vient, mais ça, c'est obligatoire. Le Léopold, c'est aussi obligatoire. En termes de dessert, j'ai aussi pas mal augmenté la fiction. Hein. Lui, par exemple, je peux déjà le mettre LR quand j'en ai des potions. Pareil pour celui-ci. Donc, mon but, c'est aussi de vous proposer du contenu autour des personnages SR par la suite. En termes d'équipement, sur mon Mars, je suis content. J'ai déjà son full set défense étoilée. Il me manque plus que les deux sets de PV étoilés. Pour le moment, j'en ai eu aucun. Regardez par exemple cette pièce. <laughs> elle est qu'en plus 8. Mais j'ai PV, def pourcentage, résistance crit, dégâts crit. Même si c'est pour un tank, ce n'est pas ce que tu veux. Mais bon, là, elle est que plus 8. Hein. À tout moment, j'ai résistance aux dégâts au plus 12. Pareil en accessoire. Hein. J'ai de la résistance aux dégâts. J'ai de la défense en pourcentage. J'ai même un accessoire UR pour vous dire. Sur le Asta, encore une fois, c'est un accessoire nécessaire, mais dégâts crit en stats de base dans un accessoire plus attaque pourcentage. <laughs> en sous-stat, c'est vraiment une dinguerie. Pour ceux qui se poseraient la question, même si la stat de base, par exemple, c'est le taux critique, vous pouvez très bien avoir en sous-stat du taux critique aussi. C'est vrai que tout à l'heure, on a eu des pierres rouges. On a eu des pierres rouges, du coup, je vais augmenter l'équipement d'Asta, je suis trop curieux. Ne faites pas ça sur le SSR, mettez juste en plus 4. Mais là, je suis vraiment curieux, je vais essayer de le mettre en plus 8. J'ai encore 14 essais de pierres rouges, on va voir si c'est suffisant. Je les ai eu tout à l'heure dans le défi limité, j'ai l'impression que ça va pas être suffisant. 10 try, s'il y a moyen. Allez, 9 try, 8 try, 7 try pour un essai. Allez, s'il te plaît, le jeu troll pas. 5, 4, 3, 2, 1. Oh là là là. Le troll absolu. J'ai deux essais supplémentaires pour marquer l'histoire. Allez, améliore équipement. Je l'ai fait à la main. S'il te plaît, le plus 8. Ça y est Oh non, non. Allez, un dernier essai. S'il te plaît, le jeu arrête de troll. Mais il en faut combien, les gars Il en faut combien Sinon, voilà mon nombre d'équipements l'air pour le moment sur la version globale. L'appétit quotidienne qui arrive vraiment. Énormément, c'est une dinguerie. Je fais les donjons équipements au moins tous les jours pour faire la pitié depuis le troisième jour de connexion. Et en UR, j'en ai aussi quand même pas mal. Mais j'ai commencé à faire la strat des doubles donjons à partir de dimanche, une fois que j'avais RIA pour essayer d'avoir du Tokrit et du PV amélioré. Mais pour le moment, j'en ai eu aucun. Je pense qu'aujourd'hui, c'est mon dernier jour de farm d'équipement. Ensuite, je reprendrai l'exploration. Comme ça, je vais passer level 4 avant que Noël arrive. Je me suis préparé en conséquence pour ça. Regardez, j'ai déjà beaucoup de tickets. J'attends Noël, je vous ferai une grosse vidéo à vocation. J'espère que vous serez au rendez. Vous. Pour les 14 jours de Black Clover mobile, je vais faire une multi, pas deux, une multi, pas deux, pour essayer d'avoir soit Fana, soit Vette, soit Rades. J'ai 0,045% d'avoir le personnage que je veux, mais je vais le tenter. Ne faites pas ça chez vous. Hier, j'ai payé 12 euros un ticket Ichiban Kuji, j'ai gagné la loterie du rendez. C'était Nagri, une bête de figurine de Daki dans Demon Slayer. Donc je me sens chanceux. C'est parti. La seule multi invocation sur ce portail en vidéo, portail Goldé. Allez, s'il te plaît, la sacoche, oh, mon dieu, souris. Souris papy, souris. Oh là là, mais lui, le papy le plus aigri de France, il y a quand même 4 SR. Sur la version JAP, j'étais content il y avait 4 essers. J'ai cru. Franchement, j'ai cru. On regarde qu ce qu'il y a quand même SR. Ok, bon, il y a vraiment des choses que je ne vais pas m'en servir. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire où est-ce que vous en êtes, depuis quand vous jouez. J'essaierai de lire tous les commentaires. En attendant, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La team Black Lover Mobile, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus, partager la vidéo et nous, dit à très bientôt. For the prochaine video, les pâtes. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe. know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute, I want the crown, I'm going to get it. You